Attends, toi Mathieu, tu retournes à la soirée? Je crois que l'ambiance est épouvantable. Oui, enfin avec vous, ce sera bon. Ouais, d'accord. Merci. Bon, ben moi je vous la souhaite bien bonne. Hein. Ouais. C'est là que je vous laisse. Et puis merci pour ce petit moment. Merci, je cherche quelqu'un. Hein, mais c'est Jean-Noël Broutet. Jean-Noël, il fait des portraits ou de la peinture? Je sais pas, il m'a dit qu'il était ici, mais ça ne veut dire rien. Que ça me dit Jean-Noël Broutet. Ah putain, vous allez bien intervenir parce que je vais acheter de la chaux exprès. Jean-Noël? Oh putain, ça va? Bah ouais. Bonjour. Oh, ah, c'est marrant. Ouais. Oh putain. Bah, je te cherchais, j'ai demandé là. Ouais. Mais pourquoi tu... Bah... Tu savais que j'étais là? Mais non, enfin... Oui, ta femme, j'ai eu ta femme au téléphone et qui m'a dit que tu bossais là et je... Vous êtes vachement nombreux, non? Ouais. Bah ouais, c'est là où il faut être. Ouais. Ça va? Bah ouais. Ah, ça fait plaisir. Ça va? Ouais. Ah bon, je vais... Ah oula. Attends, viens. Je voulais te voir parce que j'ai en tête de tourner une suite à Versailles Rive Gauche. J'appellerai... tu sais, j'avais une trilogie dégâts, Versailles Chantier, Versailles Rive Droite, et je vous disais, ça peut être très sympa de... tourner une suite avec tout le monde, tu vois, qui revient. On a tous passé 40 ans. L'heure des premiers bilans est venue. On est engagé, quoi. Enfin, je veux dire, on a fait des choix. Ah, et... c'est sympa, ouais. Mais l'œil, tu devrais. Can you stop to swing, please? J'y suis d'ici une demi-heure. Attendez. Mais non. Oui, je te cherchais, mais plus souvent. D'ici une demi-heure. Oui, pas plus. D'accord. Sojitnap. J'y vais. C'est tout pas ça. Et je pensais que t'étais beaucoup plus loin. Oh, ça me fait plaisir de te voir. Ça me fait plaisir. Oh, allons. Mais allons. Il ne peut pas se rendre. Ça me fait. Oh, c'est ça. Mais c'est idiot. Enfin, ça va. Oh, c'est bête. Excuse-moi. Bah, dis donc, ça marche pour toi, hein? Ça marche bien. Ça, c'est très bonne boîte. Et Bruno. Et ouais. Dis donc. Et incroyable. Ouais. T'as fait du bilan. Non. Marc, tu vas me dire que j'ai perdu les cheveux, que j'ai les cheveux gris, tout ça, non? Non. T'as un rendez-vous, là, en fait? Oui, j'ai rendez-vous. Ça ne saurait tarder. Ouais. Voilà. Mais qu'est-ce que tu deviens, alors? Tu fais quoi, là? Là, j'ai rendez-vous pour de... affaires. Ouais, affaires, ouais. Enfin, ouais, des affaires. Mais quel genre d'affaires? Des affaires, des affaires commerciales, hein, voilà. Ah oui, t'es dans le... Écoute, un peu dans le commerce. Ouais. Mon dernier film n'a pas marché énormément. Le dernier? Ah oui, enfin, l'histoire du... Ah oui, j'ai pas vu ça. Ben, je sais. Mais enfin, peu de gens l'ont vu et là je me disais ça serait quand même bien de refaire. Enfin de faire. De prolonger Versailles Rive Gauche, faire Versailles. Ah bon? Ouais. Versailles Rive Droite, tu vois, avec toi, Jean-Noël, Michel. Mais tu n'es plus du tout du côté de la comédie. Acteur, écoute, acteurs, non, parce que j'ai. Je te dis rien pour l'instant. Je te laisse regarder. C'est marrant, hein. Ouais. C'est drôle, hein. Écoute, ouais. Tu trouves ça drôle, ouais? Ah oui, j'aime bien, ouais. C'est marrant.
C'est des petites boules. Ouais, c'est des petites boules. Attends, attends, tu ne touches pas trop parce que c'est. Mais refais là. Ouais, regarde. T'as que je te parle. Tu vois comme ça. Laisse faire. Tu vois, regarde. Il existe une cité au séjour enchanté. Bruno, Bruno. Attends. Hein. Et sous les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. Mais viens par là. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Par eux toujours, mon cœur est ravi. Salut la France. Oui, je t'entends très très bien, ouais. Bon, moi aussi. Bon, super. Attends, excuse-moi. Darren, Darren, just gonna have with just one or two minutes. I'm just reading something with a friend in France, okay? Qu'est-ce que tu tournes en ce moment? Alors, c'est un film de Ridley Scott, qui est un réalisateur américain, voilà. C'est un très, 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 très beau script. C'est un très beau rôle, voilà. Je peux pas trop en dire plus parce que la Fox, ils sont très, très durs sur les... voilà, il faut pas divulguer à l'avance, mais c'est un très très beau film, comédie un peu sentimentale, un peu comme nos films, quoi. Voilà. Qui sont tes partenaires? Alors, il y a Russell Crowe, Hugh Grant, Denzel Washington, et il y a aussi deux jeunes actrices californiennes, en fait, qui sont pas connues, quoi, que vous connaissez pas, mais je pense qu'ils vont faire le fameux Breakout. D'accord. Donc, Bruno, pardon, faut dire bonjour à tous mes copains. Oui. Tous les copains français, Jean-Noël, Denis, Michel, tous les copains, quoi. Oui. Voilà, ah bah... toute la joyeuse équipe. Qu'est-ce que tu voudrais faire comme beau personnage idéalement, je te dis, tu fais ce que tu veux. Moi, c'est... Tu veux faire un chevalier blanc, tu peux. Tu vois, tu fais ce que tu veux. Ouais. Ou un méchant, un très méchant. C'est vrai? Ouais. T'aimerais bien? Ouais. Papa. Ben, hein? Ouais, 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 je non, sais pas, mais. Je sais pas si tu me trouves crédible ou pas là-dedans. Ben, vas-y. Non, mais là, tu fais abruti. Là. Non, excuse-moi, c'est idiot. Non, mais. Je sais. Écoute, Zorro. Idéalement, Zorro. C'est marrant, ça, Zorro. Zorro, ouais, ouais. Je pense que Zorro. Parce que c'est bête. Masqué, finalement. Et qui répand le bien. Ah oui, oui. Tu vois, il y a une notion de justice. Dans Zorro, c'est le. Et moi, je pense, c'est un peu bête à ce que je te dis. C'est drôle. Je me sens un peu Zorro. Zorro ouais. Dans le monde. Ouais, je te parle un peu de mon scénario. Parce que l'idée serait que tu fasses un torero. Centauro, très bien. Non, non, oui, enfin, Centauro au cinéma, on triche un peu si tu veux, mais. L'envers, ça arrive droit, tu vois. Ouais. L'idée de réunir tout le monde. Réunir tout le monde. Philippe Huchon. Philippe Huchon. Chevy Hermos, Isabelle Candelier. Ouais. Et. Non, mais là, j'ai pas le temps, là. Juste un tout petit peu, si tu veux. Hop, tu vois. Ah, écoute, c'est pas vraiment pour dire là, que... là, vers l'extérieur. Voilà. Comme ça. En fait, tu vois, c'est ça. Ouais. C'est avec ça que tu vas chercher le... Parce je que le taureau, ça, il voit pas en face de... Il a les yeux sur le côté. Ouais. Donc il voit pas devant. Ah oui, je viens de côté. Donc ce que tu fais, avec la muleta, tu vas le chercher de l'autre œil pour l'emmener comme ça et pour qu'il parte un peu vers l'extérieur. D'accord. Et alors ça, c'est bien, ça. Alors, c'est qui, lui, tu disais, là hein. Anthony Hopkins. Hopkins. Oui, c'est un acteur de... Hannibal, tu sais. Ah oui, Hannibal, oui, bien sûr. Lecter. Oui, ouais, Lecter. Harry Potter. Non, ouais. Par contre, je te signale que... Potter, c'est 2T. Hein. Ah bon? Ouais. T'es sûr? Ouais, ouais. Voilà. C'est qui, lui? C'est... Ringo Starr. Ah, d'accord. Attends, je sais plus. McCartney, mm-hmm. Harrison et John Lennon. Comme ça. Ah ouais? Et pourquoi pas? On fait tout très sérieusement, on dit que c'est un documentaire voix off normal, ici, un suricate, veille à sa progéniture. Et en plus, ils font ça tout le temps, il y a toujours un qui veille chez les suricates. D'accord. Ils sont pleins, ils vivent en groupe comme ça, il y a toujours un qui veille. Tiens, je te laisse, attends, hein, ouais, y a quelqu'un. Y a des...
Quel personnage tu rêverais de, comme ça, de jouer en France En France dans le cadre, oui. Tu vois, en France, j'ai fait beaucoup de trucs déjà, beaucoup de choses au théâtre, à la radio, à la télé, au cinéma, tout ça. Donc ça encore, bon, tu vois, ça peut être n'importe quoi. Maintenant, aux États-Unis, on te donne plus les moyens. Par exemple, tu vois, moi, j'adorerais jouer un rôle très physique, tu vois. Je suis plutôt quelqu'un d'assez fin, je suis bon. Et j'adorerais jouer genre Catwoman ou un truc appelé un Million Dollar Baby, tu vois, un truc qu'il faut faire un entraînement de boxe pendant 6 mois, tu vois. Essayer de voir mes limites, de pousser mes limites, quoi, jusqu'à un truc très, très physique. Et ça, j'adorerais, tu vois, vraiment faire des... Voir, manger des poudres, des trucs pour les muscles et tout pendant... Tu vois. Et manger des épinards, omelette qu'avec du blanc d'œuf et des trucs comme ça. Et puis, t'arrives, en fait, à montrer comme tu peux faire... ou tu peux être un mec, ou tu peux être, une, tu vois, une sportive de haut niveau. C'est un peu ce challenge-là, et puis t'es payé quand tu fais ça. C'est ça qui est super. Tu serais libre quand, toi? T'as des dates, hein? Ben, j'ai des... Je vais avoir des corridas, là. Ah oui, t'as des corridas, mais... Je vais regarder... Au printemps, ce serait possible? Au printemps, bah c'est la saison qui commence là pour nous. Ouais. Moi j'ai une corrida qui est le. Enfin, une corrida, c'est pas vraiment une. Mais qui est le 29 avril. Bien, Mehdi. En tant que toréador, tu as un pseudo, tu as un nom. Elle. Elle pour elle podo. Je crois qu'en fait, j'en ai pas encore. Bah c'est le début, là. C'est le début, hein. C'est des phases d'entraînement. Mais tu... Hein? Pas. Tu penses que tu vas vaincre ta peur? Non. Non, c'est peut-être ce que je fais, c'est peut-être... C'est... Après, à première vue, on se demande qu'est-ce que je fous là, quand même. Mais oui, c'est ma question. C'est ta question. Je me suis posé la même question tout à l'heure, et je me la repose maintenant, et je me la repose encore, parce que j'ai aucune réponse. Et puis, il faut... Tu vois, les injections, j'en ai pas encore fait, mais avant Versailles, moi, j'en ferai, tu vois. La France te manque pas trop? Beaucoup, parce que... Oh, excuse-moi, Isabelle. Non, mais les gens, tu vois, ils sont... C'est assez dur, quoi. Tu peux pas te permettre d'être faible. Tu vois, c'est vachement dur. Non, mais... Enfin, tu sais, t'es là dans nos cœurs. Ouais, mais ça, t'es avec nous dans nos mais cœurs. Mais vous aussi, vous êtes dans mon cœur. Hein. Vraiment, il y a un océan et tout qui nous sépare, mais... Il y a de la technologie, je veux dire, il y a des avions, il y a des webcams, tu vois la preuve, quoi, c'est trop génial qu'on est ensemble. Oui, exactement. Tu vois. Tu nous fais deux suivis. Ouais. Deux. Allez, quand tu veux, on t'attend. D'accord, je prends le matériel. Vas-y, avec lui, hein. Lucas, prends elle. Hein. Avec lui, hein. Vas-y, avance-toi vers elle. Et avec la voix que tu parles. Oui. Vas-y, encore, c'est la passe la plus difficile que vous faites. Je suis gaucher, moi, alors. Vas-y, viens, viens de droite. Oui. Allez, termine avec une passe de paix. Quel souvenir tu gardes de Versailles gauche? Je me souviens qu'on épluchait les carottes et qu'on les râpait pour faire la cantoche du midi quand on tournait pas, quoi. Ouais. Ça me faisait bien rigoler de faire la cantoche aussi. Et puis, non, sinon, je garde juste le souvenir qu'on s'amusait bien et que on était tous les uns sur les autres dans une boîte à sardines, quoi. J'étais déjà très open. Et c'est vrai que j'ai une petite histoire avec un petit peu chacun des garçons, quoi. Et donc, pour moi, c'était un drôle de souvenir. Et en même temps, je les ai tous aimés à leur façon, en fait, tu vois. Mmh. Et j'étais pas vraiment amoureuse, mais il y a eu un super, très, très bon, un contact très fort avec chacun. Je crois qu'elle est ma fille, en fait. Moi, c'est plutôt cette intimité-là avec chacun. Et en fait, j'ai un côté un petit peu... À chaque fois que je partage de l'émotionnel, je suis à moitié amoureuse aussi, quoi. Enfin,
Tiens, viens, ma chérinette. Ça, c'est Aurora. Si, elle si, est Aurora, ça fait une heure que ma fille qui pleure, mais elle me l'amène que maintenant, quoi. C'est pas grave. Ah. Donc, j'essaie de pas trop... voilà, parce que je la laisse, en fait. Parce que je trouve adorable. Que c'est très important d'allaiter les enfants, tu vois, de rester avec, de brancher avec le naturel. De rester... voilà. Voilà, ça y est. Ah ben, présente-nous ta fille. Bon, ben, ça, c'est... voilà. Je l'appelle Faith. Shane. Chase. Et pourquoi ça tient pas? Parce que trop jeune, parce que moi trop dans des envies de d'autres choses, de j'ai du mal à rester, c'est vrai. Et puis ces défis, si tu veux, après c'est tout de suite. Bon bah moi, je suis l'exemple de la réussite, donc je sais qu'elles sont là aussi pour mon argent. Mm-hmm. Je sais que je représente quelque chose. Mmh. Donc voilà, c'est des filles qui sont en général très jeunes. Elles ont 19, 20, 21 ans. Hein. Ce sont des filles sculpturales, tu vois, des beautés absolues. Mais tu vois, au bout d'un moment, la relation est en sens unique, un peu. Tu comprends? Et moi, j'ai envie de partager quelque chose. J'ai pu le partager avec des grandes actrices. Mais en même temps, les grandes actrices, c'est pareil. Elles sont... C'est qu'est-ce qui compte avant tout, avant la relation? C'est le métier, c'est leur métier, c'est l'image, tout ça, tu vois. Mmh. Et j'ai senti, à un moment, j'ai dit stop. Mmh. Stop, 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 arrête. Alors, je sais que j'ai fait du mal, je le sais. Cinq enfants, moi. Cinq. Cinq. Ah. Ouais. Enfin, ils sont pas tous à moi. Ah bon. Il y a un de 18 ans, putain. Et j'en ai deux, moi, et trois qui sont pas, enfin, qui sont là. Mais t'arrives avec ça Non, ça c'est une passion, enfin c'est pour mettre du beurre dans le... dans le beurre. Ouais, t'as pas changé, hein, toujours aussi... Bah, il faut... Petit souci avec l'œil quand même, là. La gomme, là, c'est la gomme en fait qui fait du noir. Ouais, je sais. J'aurais pu en avoir un, mais... Ouais. T'as un peu le vent, mais c'est avec on l'a pas gardé. Avec comment elle s'appelait, là. Je te remercie. Si. Sylvaine, je sais pas comment elle s'appelait, non? Non, Marie-Françoise. Marie-Françoise. Petite blonde. Ouais. Complètement idiote. Ouais. Oh, c'est un peu la routine, hein, mais c'est la routine sympa, quoi. Puis on voit les enfants grandir, c'est rigolo. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ouais, puis après, on voit les grands frères, les petites sœurs, les... On voit les... Ouais. Juste si tu la joues, ça t'aide vachement. Et vachement. Mais tu vois, c'est ce qu'ils font. C'est parce que ça leur permet. C'est vrai que moi, je suis arrivé, mais timide, désemparé. Il faut être fier. Et comme si je cherchais même à ce que la vache compatisse, tu vois. À ce que la vache elle-même me dise, mais mon pauvre vieux, qu'est-ce que tu fais là? Et en fait, il faut que tu sois fier. Il faut planter. Sur elle, c'est pas sur elle. Ferme avec toi-même et ferme avec la moulette. Ah! Ah! Je t'ai touché, elle m'a chopé. Tu fais la même chose, mais à gauche. Mais monte l'épée dans la moulette, à gauche, comme tu étais à droite, mais à gauche. Comme ça. Voilà, regarde. Voilà. Et tu la fais passer de la même manière. Mais là, tu ne bouges pas, tu restes un arbre. Mais j'arrive pas à pas bouger. Mais... Elle est fière. Ah, vas-y, va sur elle, va sur elle. Non, j'arrête. Mais pourquoi il me recharge dessus, hein? Heureusement qu'elle a pas trop de force, hein, putain. Heureusement qu'il n'y a pas trop de force, hein, parce que... Elle voilà. T'a touché, là? Elle t'a touché? Bah, elle m'a touché deux fois, oui. Alors, oui, Denis? Je crois que... C'est quand, ton film? Je veux bien, moi. Bah, bienvenue. Et puis, pas ton héros du tout, parce que ça, c'est n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Non, il y a eu d'émotion, hein. Il y a eu d'émotion. J'ai eu peur. Ta mère, en fait, j'ai trop peur. Qu'est-ce que je fous là?
moi, de voir le front. Mais c'est une gueule de ouais. Heureusement que c'est pas trop fort, parce que ça a une gueule, cette rancœur. Et tu sens qu'elle ne veut qu'une chose, elle ne veut te renverser, elle veut te foutre en l'air. Oui, j'avais une question un petit peu délicate, mais en même temps qui peut être absolument emballante. Tu me disais que tu gagnes relativement bien ta vie de temps en temps. Est-ce que tu serais à même de mettre un petit peu d'argent sur la production de Versailles Rive Droite? Non, tu vois, non, parce que... non. Ça, non. Ça, tu vois, Bruno, ça, c'est fini, quoi. Ça, c'est des trucs que je ne fais plus. Je pense que j'ai donné beaucoup, je t'ai donné beaucoup. Rappelle-toi, dans Versailles Rive Gauche, je ne veux pas faire la fille qui remue la merde et tout ça, mais je veux dire, il y a quand même plein de choses que nous, on a données, etc. On a été très généreux sur ça. Maintenant, est-ce qu'on a été payé de retour? Pas spécialement. Donc, tu vois, voilà, ça va. Quoi. Maintenant, j'ai 27 ans. Soyons corrects. Bon, OK, c'est pas possible que j'ai 27 ans. D'accord, bon. Disons, je suis pas loin. Et... non, parce qu'après, je perds mon estime de moi. Tu vois, je perds my self-esteem. Et ça, je peux plus. Je peux pas parce que si je suis mère, tu vois, j'ai elle. Et si maman, tu vois, elle est pas... voilà. Si toi-même, tu mettais, par rapport à ton chiffre d'affaires dans la journée... Ça pourrait être lourd, hein. C'est non, pas mais... moi qui vais réussir à faire ton chiffre. Mais on peut espacer les échéances, quoi. Enfin, tu vois, étaler les paiements. Oui. De mise de fonds, hein. Excellent. Non, je blague pas, là. Enfin, je veux dire, mais même si tu peux... 1000 Quand là, tu non, mais tu peux avoir le premier rôle. C'est vrai? Ah oui, c'est un type qui roule en BM, où on s'aperçoit qu'en fait, il y a une fêlure en lui et que l'argent ne fait pas le bonheur. Enfin, je dis ça extrêmement grossièrement, mais c'est un bon personnage. Je crois que c'est toujours d'actualité. C'est, plus ça va, plus tu vois, le bonheur passe par la conso. Ouais. Et je me rends compte que... Si, il y a un 3 fois, c'est possible, 500 euros. 150 000 euros. C'est pas 1500 euros, c'est 150 000 euros. Non, pas du tout, c'est 150 000 euros. Si non, c'est... Déconne, hein. Non, pas du tout. En gros, moi, si, moi si tu veux, pour l'instant, il se trouve que je suis dans une période plutôt, tu vois, ascendante, ouais. Très forte, ouais. Avec des grosses avec des gros projets, ouais. Partout. Je suis implanté dans plein de pays. Ouais. Ça, c'est les ballons, projet ballon. Ça marchera avec ça, c'est pour les élections. Ouais. J'ai plein de trucs. Ça, c'est des gâteaux... Qu'est-ce que c'est, ça? Tu vends ça aussi? Oui, c'est des gâteaux, ah bon, c'est un nouveau parfum. Et puis surtout, il y en a 4, mais je les vends comme si t'en achetais 3. C'est, ça, c'est fort. Attends, j'ai plein de trucs. Ça, c'est des petits... Il y a des personnages. Ouais. Attends, parce que pour mes enfants, c'est un... Alors ça, je cherche toujours. Ça, c'est des lunettes de plongée. Ça, c'est des, ça, c'est des fameuses lunettes. J'ai repris toutes les qualités d'Arena. Ouais. Sans les inconvénients d'Arena. Voilà, donc ça donne ça. Ben voilà. Voilà, c'est fait. Je l'ai fait. Voilà. Et ça, tu sais combien tu peux te le laisser, ça? Non. Je te laisse à 5 euros. T'en prends 2, 8 pièce. Euros. Ah ouais? Oui, non. 5, 8. T'as deux enfants? Mm-hmm. Oui. 8 euros. Eh ben écoute. C'est. Voilà. Vous, j'ai un peu raté, mais parce que vous aviez un chewing-gum, j'avais du mal à... C'est gratuit. Non, mais c'est bien. Oui, non, c'est pas, gratuit. It's pas. Beautiful. Yeah. Allemand, je crois. Yeah. Very beautiful. Ah, yeah? You think so? Ah, non, anglais. You seem like... You know the actor américain? American actor. Non, russe. Non, mais tu pourrais faire l'affiche du film. Ah oui. Ça serait bien. Ah ouais. Parce qu'on fait toujours les affiches après coup, mais là c'est je dis même pour, même pour le dépôt au CNC, si tu fais une belle affiche, ça peut aider, bien sûr. T'es pressé? Non, ça va, c'est juste ce que je voulais. J'ai des carrelages à aller chercher. Des carrelages? Ouais, du carrelage, parce que j'ai refait ma... Salle de bain? Ma cuisine. Enfin, c'est une cuisine salon. Pour un enfant? Voilà, moi je vois, tu vois. Je vois pas où est la nouveauté, parce que c'est quoi le problème? C'est que le problème, c'est que la plupart de ces lunettes n'étaient pas étanches. Toutes ont des problèmes, surtout au plongeon. Mm-hmm. Tu vois, ça c'est des lunettes super étanches. Ouais, c'est vrai. Alors tu peux pas les garder, tu vois, trop long. Non, mais c'est... D'accord, j'ai des...
faut que j'y aille. Moi, oui, je vais. J'ai un rendez-vous là. Faut que j'y aille. Excuse-moi, hein. Je me dépêche. Ah, t'es à la défense. T'es garé là, en fait. Oui, enfin, non, mais ça va plus vite quand il y a du monde. Hein, ah, oui, mais t'as raison. Je comprends. Mais ça monte à combien, ça? Oh, ça 30, 35. C'est un véhicule de société. C'est pour, parce que dans Paris, la voiture dans la journée, c'est pas possible. Ouais, ouais, ouais. Essayer, moi, j'arrête pas de bouger. Je suis par bon, par non, par bon, c'est par beau, je veux dire. Ouais. Tu vois, je. Non, mais je, donc, je perds un temps, mais je perds un temps. Tu vois. Mm. Donc là, il faut que j'aille parce que je vais. Tu peux pas me déposer étoile, ça m'arrangerait. Écoute, si j'avais un deuxième casque, là, ça aurait été avec plaisir, mais j'ai qu'un casque. Là, non, là, ouais, je comprends. D'accord. Bon, et puis pour, non, ma, mais de toute façon, pour il m'appeler, fait beau, Paris Course, ouais. Paris Course, boulevard de la Villette, ouais. 32-36 boulevard de la Villette, t'appelles là-bas, tu laisses une commission, je l'aurai, c'est sûr. D'accord. Hein, ok, si jamais tu. Et encore, ouais, une fois, par rapport à ton personnage, ouais, si tu as des pistes, moi, je crois que c'est le moment, passé 40 ans, de toucher à tes rêves. Même en tant qu'acteur, même si toi, ton délire, c'est chef indien, tu me l'as dit, chef indien, j'ai envie de recoller les morceaux. Moi, j'aimerais jouer. Non, je te dis, ouais, vraiment un méchant, un grand amoureux, ouais, un journaliste, un séducteur. Ouais. Séducteur, mais tendre en même temps. Ouais. Oui, non. Mais je le sais. C'est vraiment. Pourquoi? Allez, file. Allez. File. Allez, ça. Bon, mais Isabelle, je t'embrasse très fort. Ah, moi aussi, hein. Et puis, encore une fois, au nom de tous les garçons, d'Ariane aussi, on pense tous à toi. Plein d'amour, quoi. Et tu ça nous manques. Beaucoup. Ah ouais. Moi aussi, parce que, tu vois, c'est... Voilà. Et puis, on verra Chêne bientôt. Chase. Ah, pardon, j'ai compris, Chêne. Chase. Eh ben, je fais un petit coucou à Chase. Ouais, allez, moi, vous manquez aussi, hein. Vous manquez. Mais il faut que j'y aille, donc, moi, et puis à bientôt. Et bon courage, hein. Ouais, vous aussi, ciao, ciao. Bisous, ciao, ciao. Sacrée Isabelle. Mais pour elle, c'est la belle vie, quand même, hein. On en rêve tous, quoi, l'Amérique. Elle y est. Ça t'intéresse? Oui, oui. Ouais? Oui. De toute façon, je vais bientôt m'acheter une bagnole. Ouais. Bah, si t'achètes une bagnole sans les pinces, c'est pas la peine. Il vaut mieux commencer par acheter des pinces que la bagnole. Hein. Bah ouais, c'est bien, ouais. Parce que. Eh ben, écoute, ça. En plus, ça peut être un beau cadeau. D'accord. Bah, tiens. J'ai pas de paquet. Non, mais je suis à pied. Attends, je vais essayer de te donner un sac quand même. Ou alors, attends, ou je te les plie. Quand même bien. Ouais, là, tu m'as donné 10 euros. Il y a 3 lunettes. Écoute, ça, 10, je te fais le tout à 20 euros. Ok. Ça te va? Ça me va, mais par contre, j'ai que 10 euros là sur moi. Tu peux me. Pas grave, tu me. T'as que 10 euros? Bah ouais. Bah attends, il y a une tirette pas loin. Où est-ce qu'il y a une tirette? Écoute, on en reparle. Moi, de toute façon, je vais partir en Espagne. Je vais habiter là-bas. Ah ouais. En Amérique du Sud. Tu peux. Je parlerai plus français. J'ai pas besoin de 500 euros. De 500 euros pour démarrer. Moi, je te donnerai ce qu'il faut. On va, on en reparle. On en reparlera. Ouais. Moi, maintenant, ma vie, elle est là. Tu comprends? Ouais. Salut. Ciao. Et quand t'es à les autres, tu leur dis bonjour, ma oui, part. Oui, bien sûr. Ouais. D'accord. Ok. Salut. Ciao. Et je pourrais pas faire un tour de. Bah ouais, si tu veux, ouais. Monte pas bien dans le. Monte pas dans l'hélicoptère, t'es trop lourd. Non, d'accord. Là, je vais retourner à la société, voir un peu mes associés, savoir où on en est. Parce que t'as la bourse là, de Tokyo qui va clore. Et la bourse de New York là qui ouvre. Enfin, tu vois, qui vient d'ouvrir depuis 1h30, donc faut que je vois un petit peu où j'en suis. Écoute, de toute façon, on se reparle pour le film. Oui. Moi, ça m'intéresse. D'accord. Ça m'intéresse. Attends, juste une seconde, parce que t'éloignes pas trop, parce que les fils, peut-être en avoir il besoin. Faut que j'ai une seconde. Des écoles. Oui, je sais, mais attends, je vérifie juste un truc.
Michel, il faut que j'y aille. Hein. Ouais. Mais juste... Ouais, merde. Ah, merde! Ouais, ça t'embête de me laisser les pinces, non? Non, que la Est-ce rouge. Que tu veux récupérer les lunettes hein? Je garde la noire, non. Parce qu'à ce moment-là, il faudrait que tu me rendes les 10 euros, si je te rends les pinces. Ouais. Putain, tu me les as donné, les 10 euros? Ah oui. Je te dois quelque chose? Non, c'est sûr? Oui. Écoute, merci. Allez, je te rappelle... Bah ouais, dès que, pas, hein. Ouais. Moi, je suis là. De toute façon, tous les week-ends, je suis là, sûr. D'accord. Et les autres jours, s'il y a de la place, je suis là. OK. Et merci. Et puis, de toute façon, je vais parler de toi aux autres. On va faire une réunion, je pense. Ah, ce serait sympa. Ouais, on va essayer de mettre un truc collectif, tu vois. Bah, j'aimais beaucoup le principe d'écrire ensemble, même à la limite, ça peut être très fort. Écrire ensemble? Ouais, pas que ça soit pas forcément moi. Moi, je veux pas de scénario, déjà. Et que chacun, à coup d'impro, tu en dessines quelque chose. Tu vois, ça peut être chouette. D'accord. If you want to... Ok. Allez. Ciao, ça va faire plaisir. Ciao, ciao. Ciao. Ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai deux amours, mon pays.